La salle de réunion du ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité a été envahie tôt le matin de ce mardi 29 mars par les tout petits enfants de l'école maternelle Immaculata. Ces derniers ont été accompagnés par leurs encadreurs. Selon la directrice d'école, Ghislaine Francine Moussambi-Bahati, cette visite entre dans les cadres des enseignements donnés aux bambins sur le métier. Nous sommes venus ici pour découvrir avec nos enfants ce que fait le monsieur qui nous a accueillis ou le ministre qui nous a accueillis. Il est ici comme ministre de l'Intérieur et Sécurité dans notre province. Nous nous sommes venus ici pour découvrir lui et son personnel dans le thème métier et son sous-thème le métier de sécurité. Devant ses futurs cadres et futures autorités de la RDC, Deoda Kapenda Kapenda a brièvement expliqué le fonctionnement et attribution de son ministère. Le ministère qui chapeaute la police, les militaires, l'ANR, la DGM et même les cours et tribunaux en province du Lualaba. C'est donc un ministère. Le mot que je vais utiliser peut vous dépasser, mais c'est un ministère transversal, c'est-à-dire qui touche un peu à tout. Lorsqu'il n'y a pas le courant, le ministère de l'Intérieur peut poser la question. Lorsque les gens n'ont pas d'eau à boire, le ministère de l'Intérieur peut poser la question. Lorsqu'il y a des bandits à gauche, à droite, le ministère de l'Intérieur doit faire un effort. Deoda Kapenda a en outre expliqué aux enfants qu'il est leur papa et qu'ils doivent étudier pour remplacer les autorités qui dirigent aujourd'hui. Je suis le papa de tous les enfants. Tel que vous êtes là, chacun d'entre vous est mon enfant. C'est d'ailleurs à juste titre que vous m'appelez papa. Et si j'acceptais que vous puissiez venir, c'est pour vous dire que le ministre n'est pas extraordinaire. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est peut-être le monsieur ici. Tu t'appelles comment? Comment? Peut-être c'est Kaoka qui serait ministre demain. Ils ont ensuite effectué une visite à Guidé dans son bureau. En bon père des familles, Deoda Kapenda Kapenda a partagé avec ses visiteurs très contents de l'accueil, ces élèves ont fait une démonstration de ce qu'ils apprennent à l'école, peu avant de remonter dans le bus avec la sœur directrice de l'école.